Ça veut dire qu'elle met la gifle directement. Et pour le troisième livre, parce que bon. Suite à ça, il fallait être un peu tracé. Le but, c'est vraiment de partager à travers le témoignage de cette personne, les raisons qui l'ont poussé à écrire. Pourquoi ? Est-ce que c'était tout simplement pour témoigner de ton vécu, ou est-ce que c'est vraiment une vocation d'écrire des livres ? Et à travers tout ça, on essaye de se construire mutuellement. Même l'auteur, il vient pour se construire, il vient pas d'une manière paternaliste pour apprendre des choses aux gens, mais il raconte son témoignage. Il raconte son parcours, il raconte ses ambitions, et le public, ils en font ce qu'ils veulent. Soit ils le prennent comme motivateur, soit ils le prennent comme quelque chose de constructif pour leur esprit ou pour leur manière de réfléchir. C'est ce qui arrive le plus souvent, et c'est vraiment notre but. Moi, j'ai devenu dans 13 heures pour aller à la mosquée. Moi, les restes des commandes, ils m'ont dit de descendre en bas pour stocker et pour prendre les affaires, rentrer à la maison. Bon, je suis descendu en bas, je crois, même pas 5 minutes. Hein. Les touristes, ils sont rentrés et ils entendent tir partout. Mais au début, j'ai pas pensé que ça se passait des magasins. Bibliothèque, ils m'ont contacté pour que je puisse venir ici aujourd'hui. Je n'ai pas hésité d'accepter tout de suite parce que ces quartiers, je voudrais venir depuis très longtemps après les attentats. Comme mon collègue de Johan Cohen, ils habitent dans le quartier, je souhaiterais voir même sa famille, même ses amis. Pour moi, comme ce n'est pas été fait, quand ils m'ont contacté que je vais venir à Sarcelles, je n'ai pas hésité. J'ai dit tout de suite oui pour venir voir les habitants, tout ce qu'ils nous rencontrent à Paris ou ailleurs pour dire bah, les arts, c'est comme ça. Pour moi, c'est important d'être ici. Pour partager ces moments, vivre ensemble. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui.